Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un autre thème, et ça c'est dans le cadre du bâtiment. Et vraiment, ça m'a choqué. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu vraiment beaucoup de questions, plus de 150 questions. Et pour tous ceux qui me demandent les documents PDF, vous allez retrouver tous ces documents là en description. Si tu aimes tout ce que je fais, abonne-toi, like, partage, de telle sorte que peut-être qu'une autre personne est dans le besoin, ou bien peut-être que ce que je vais lui dire va l'éclairer. Si vous avez des thèmes ou bien des sujets, vous pouvez me laisser un commentaire et autres, et on va traiter cela pas à pas, parce que j'ai vraiment beaucoup de questions. Comme je ne peux pas traiter 150 questions, mais 200 questions dans une vidéo, ça sera vraiment une vidéo très longue. Donc je prends soit une question ou deux questions et on traite au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc aujourd'hui, cette vidéo, vraiment la question que j'ai sélectionnée, ça faisait pas partie des 150 questions que j'avais, mais c'est une question qui est venue automatiquement. Et j'ai dit non, celle-là, c'est une très bonne question. Je vais commencer par cette question et on va passer à d'autres choses. Donc, j'ai une personne qui m'a écrit que un de ses amis réalise des plans de construction à 25 000. Donc, lui aussi, comme il voyait que réaliser un plan à 25 000, ce n'était pas quelque chose de très concret, mais il se disait que, par exemple, s'il ne fait pas, il ne va pas gagner quelque chose à manger et autres. Il travaille, il se cherche, il travaille, il n'est pas dans un boulot, mais quand même, c'est quelqu'un qui se défend. Voilà. Dans la construction, il est aussi dans une entreprise. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est quand même l'idée qu'elle a. Réaliser un plan à 25 000. De vous à moi, en tant que technicien en bâtiment, en tant que technicien, même si tu travailles dans une entreprise, même si tu ne travailles pas dans une entreprise, réaliser un plan à 25 000, 50 000, c'est un manque de respect à toi-même, ton travail. C'est vraiment un manque de respect. Pourquoi? Donc, je vais vous prendre un exemple. Donc, il y a toujours des exemples qu'on va expliquer. Tu réalises un plan à 25 000. Déjà, en crédibilité, tu perds. Pourquoi? Parce que lorsqu'un client veut vers toi et que toi, tu réalises un plan à 25 000, vous voyez que toi-même, tu n'es pas crédible. Donc, le client ne va pas te considérer. Comme je le répète dans d'autres vidéos, je donne des conseils. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui veulent créer la chaîne YouTube et autres, j'ai ma seconde chaîne. Je vais laisser le lien en description. Vous pouvez me retrouver là-bas. Aussi, je poste aussi des contenus régulièrement un peu. C'est une nouvelle chaîne que je viens de créer. Donc, toi, tu réalises un plan à 25 000. Tu vois que tu ne te respectes pas en tant que, en fonction de ton domaine. Si tu réalises un plan à 25 000, à 50 000, à 40 000, toi, comment tu vas payer ta maison? Ça fait un. Moi, je reste dans le cadre, on est à Abidjan, on est en Côte d'Ivoire. On reste dans le cadre, on est en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je parle en fonction de mon pays. Parce que la question, la personne qui m'a posé la question, la personne en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il reste dans mon pays. Dans les autres pays, je ne sais pas. Je sais que c'est un peu difficile là-bas, mais je ne sais pas. Donc, je reste dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Donc, si toi, tu réalises un plan de maison à 25 000, et puis, écoutez très bien dans cette vidéo, le comble, c'est une maison à 3 pièces, 25 000, et une maison à 4 pièces, 25 000. Donc, c'est-à-dire les deux plans font 50 000. Et le comble, ça c'est la première partie du comble que je vous donne. La deuxième partie du comble, c'est qu'on te demande de faire quoi? C'est-à-dire le client qui vient vers toi te demande de faire quoi? La vue en plan. Tout ce qui a un rapport à vue en plan, plan de fondation, coupe, c'est un bloc. Après cela, le client te demande de réaliser le rendu. C'est-à-dire te demande de faire le plan en 3D. Vous comprenez? Après le plan en 3D, le client quand te demande de faire sortir les images et autres, le rendu et autres. Ça fait trois éléments et le client te demande encore de faire le devis et tous ces éléments, ça représente un seul plan. Vous comprenez? Ça représente un seul plan et ce plan est à 25 000. Vous comprenez pourquoi je dis toi-même, si tu regardes cette vidéo, tu ne respectes pas ton travail. Parce que quelqu'un qui respecte son travail, il ne peut jamais réaliser cela. Parce que c'est ton travail qui va te faire demain. Si tu as des enfants et tu réalises des plans comme ça, comment tu vas payer la facture? Comment tu vas payer ta nourriture? Comment tu vas payer les maisons si tu loues une maison? Comment tu vas payer tout ce qui est rapport avec ta santé? Si tes enfants vont à l'école, si tu fais tout ça, tes charges, l'impôt, comment tu vas payer tout ça? Avec, par exemple, 25 000 ou 50 000. Tu vois que c'est un manque de respect à ta personne. Non, si tu regardes cette vidéo, tous ces éléments-là, il faut arrêter. Va au ministère de la Construction ou bien va dans des entreprises où tu peux avoir, par exemple, le coût. Par exemple, d'une maison, c'est-à-dire l'intervalle, je ne dis pas que c'est le prix exact, mais au moins dans un intervalle. Vous pouvez pas rester au moins dans l'intervalle, par exemple. Si c'est une maison de deux pièces ou même une maison de trois pièces, il y a l'intervalle avant de réaliser tout ce qui est devis et autres. Il y a vraiment l'intervalle pour savoir au moins
combien coûte ce plan, mais au moins tu as déjà une idée. Voilà, donc c'est des trucs qu'il faut éviter. Je vais te donner un exemple. Tout ce qui est en rapport avec les plans, c'est quelque chose que vous négligez. Généralement, les gens font le plan et automatiquement ils donnent. Et il y a des détails que vous ne prenez pas en compte. Lorsqu'on réalise un plan, c'est-à-dire vu un plan plein de fondations, tout ce qui est en rapport avec AutoCAD, sur AutoCAD, ce plan que vous avez réalisé, par exemple, sur AutoCAD, vous avez mis vu un plan, plein de masses, plein de cours, plein de façades, plein de fondations, tous ces éléments-là ont un prix. Vous comprenez? Donc, c'est des prix différents. Tous ces éléments-là ont un prix. Par exemple, je prends une maison de deux pièces. On imagine, c'est un exemple, hein? Par exemple, la maison de deux pièces, par exemple, le plan seulement sur AutoCAD coûte par exemple 100 000 ou même 80 000. Vous comprenez? Lui, il a un prix unique. Vous comprenez? Si le client te dit par exemple de réaliser le rendu ou bien de faire le plan en 3D jusqu'au rendu, 3D plus rendu, écoutez-moi très bien, 3D plus rendu, il y a son prix. C'est un truc qu'on ne mélange pas. Donc on a un premier prix qui est le prix du plan qu'on a réalisé sur AutoCAD. Ça fait 1. 3D est tiré jusqu'au rendu, il y a son prix. Voilà, parce que vous-même vous réalisez des rendus, vous savez que tout ce qui est rendu, ça fatigue des machines, vous savez. Mais imagine que tu réalises quelque chose, un rendu, puis ton ordinateur se gâte, et que tu prends des plans à 25 000, tu vas réparer ton ordinateur, comment pour pouvoir travailler encore. Donc, tous ces éléments-là, 3D, il y a son prix. Donc, faites très, 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 très attention avec ça. Donc, par exemple, le plan, tout ce qui est en rapport avec le plan, avec AutoCAD, on a dit 100 000, 3D, comme il veut le rendu, 3D autre, on prend, c'est un exemple, hein, on prend au moins 50 000. Donc, plan 3D plus rendu 50 000, plan sur AutoCAD 100 000, ça fait déjà 150 000, ça fait deux prix différents. Si le client par exemple vous demande, c'est un exemple, si le client par exemple vous demande un devis, le devis il a son prix. Donc on a le prix du plan sur AutoCAD, on a le prix du plan 3D jusqu'au rendu, on a le prix du devis. Donc le devis il a son prix. Donc déjà vous voyez que là on a déjà trois prix différents. Donc, si un client, par exemple, vient vers vous et qu'il vous dit, réalise mon plan jusqu'au devis, donc, tu lui demandes le plan AutoCAD, tous ces éléments-là jusqu'au devis, tu lui poses la question, pas de rendu, pas d'éléments. S'il a dit non, automatiquement, le prix qui est en rapport avec le plan 3D de rendu et autres, tu vas annuler automatiquement parce que c'est le client lui qui a refusé. Lui ne veut pas voir tout ce qui est 3D, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le plan 2D sur AutoCAD et le devis. Donc, tu taxes le plan 2D sur AutoCAD, tu taxes aussi le devis. Donc, c'est deux prix que tu vas associer qui vont donner un prix unique. Voilà, vous comprenez? Maintenant, donc, jusqu'à là, ça fait, je pense que ça fait trois éléments que j'ai cités. Plan sur AutoCAD, 3D jusqu'au rendu et puis devis. Maintenant, ça peut arriver que le client veut une animation vidéo. Voilà. Donc, si ça arrive dans ce contexte, si ça va dans ce cadre-là, donc ça fait maintenant quatre éléments. Le plan sur AutoCAD, son prix. Le plan 3D jusqu'au rendu, à son prix, ça fait 2. Le devis, ça fait 3. Et lorsqu'on finit de réaliser le devis, on a quoi? Il veut maintenant un plan, par exemple, je ne sais pas, une animation vidéo, il y a son prix. Donc, ça fait 4 prix. Donc, tu vois comment tu es en train de perdre de l'argent lorsque tu vends tes plans à 25 000. Donc, si tu regardes cette vidéo, je ne te conseille pas de faire ça. C'est vraiment une mauvaise habitude. Tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu ne peux pas payer. Toi-même, tu ne peux pas t'occuper de toi. Ne dis jamais que si je laisse, un autre va prendre. Ne dis jamais ça. Si tu restes toujours dans cette logique-là, tu ne vas jamais persévérer dans ce que tu apprends. Il faut avoir confiance en toi. Lorsque tu te lances dans quelque chose, mets Dieu dedans. Tu vas voir que ton activité va exploser. Donc, tu le taxes. Le plan 2D. Le plan 3D, le devis, l'animation, si le client reste dans ces quatre contextes, il reste dans cette logique. Si le client ne veut pas, par exemple, animation, donc cela signifie que tu vas enlever le prix de l'animation. Donc, il va rester trois éléments. Il va rester devis, plan 2D et jusqu'au rendu. Si le client ne veut pas de rendu, tu enlèves. Donc, il va rester maintenant deux prix. Et généralement, beaucoup de clients restent dans cette fourchette-là. Il veut le plan plus le devis. Donc, tu as le prix du plan plus les devis. Voilà, donc comme je l'ai dit, au niveau du plan, il y a des intervalles. Les intervalles ne signifient pas que c'est le prix exact du plan qui est là. Non, mais le prix exact du projet. Mais
Lorsqu'on réalise des constructions, il y a des intervalles. Il y a tellement que tu as réalisé, tu as au moins une idée, mais avant de passer à cela, il faut toujours faire le devis. Donc, c'est comme ça, tu dois toujours travailler. Tout ce qui est plein de 25 000, 50 000, tu ne fais pas. Tu ne fais pas parce que ça ne fait pas partie du cadre de travail. Si tu fais ça, tu ne vas pas pouvoir subvenir à tes besoins et tu seras toujours exploité dans ce côté-là. Donc, travaille. Lorsque tu veux fixer ton devis ou bien ton plan, faut prendre le mètre carré du plan. C'est à tout ça aussi. Les gens disent, tu prends la surface, la superficie du terrain, du moins. Le nombre, l'ouvrage que cette personne veut réaliser, tu prends ça, tu fais tout, 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 tout. Tu lui poses des questions. Tu veux quoi sur ton terrain? Il va te dire, va te dire, va te dire. Et autres. Et maintenant, en fonction de ça, maintenant, tu vas taxer. Il va taxer. Tu peux lui dire, pour la modification, tu as droit à deux ou trois modifications. Si tu veux appliquer encore une quatrième modification dessus, il y a des pénalités. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des clients, tu vas modifier, 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 ils sont jamais satisfaits. Donc on va parler de ça dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Ciao.